Vous le savez, le débat de cet après-midi est centré autour du mouvement populaire des Gilets jaunes, qui en est d'ailleurs ce samedi même à sa 4e édition, 44e édition, excusez-moi. Personne d'entre vous n'en avait douté. C'est en effet le 17 novembre 2018 que cette révolte s'est exprimée pour la première fois. Et je ne pense pas que beaucoup d'entre nous avaient l'idée qu'elle durerait aussi longtemps et qu'elle atteindrait les pics de participation et de popularité qu'elle a obtenus. Je vais faire une petite présentation rapide de ce mouvement. Ensuite, je poserai quelques questions à nos différents invités en les présentant, mais vous les connaissez tous, je pense. Nous aurons ensuite un petit débat avec la salle et nous reviendrons à nos invités. Ils s'exprimeront comme ils le souhaiteront en répondant le mieux possible à vos questions. Alors, ce mouvement, quelques caractéristiques tout à fait, je crois, inhabituelles par rapport à l'ensemble des mouvements sociaux que nous avons connus. D'abord, une forme d'incompréhension de la part de la gauche en général, de la part des organisations politiques, syndicales, sociales en particulier. Et pour ne pas dire, je crois, au départ, une certaine méfiance et même un certain rejet au prétexte du mot sacrilège de populisme, mot qu'il faudrait d'ailleurs qu'on redéfinisse entre nous, afin de l'employer avec la même signification. Je ne m'attarderai pas, par exemple, sur la déclaration de Martinez, qui était au départ un petit peu à côté de la plaque. Par contre, il y avait une meilleure compréhension, je crois, de la part de la droite, de ce que c'était ce mouvement, de cette révolte, et qui en a très vite eu peur. Et évidemment, elle s'est évidemment voulu au maximum la discréditer. Les Gilets jaunes ont été traités de tous les noms, de fachos bien évidemment, de racistes, d'antisémites, et on leur a attribué la violence à laquelle en fait ils faisaient face. Car ce mouvement a été réprimé avec une violence qu'on n'avait pas connu, y compris d'ailleurs dans les mouvements auxquels vous avez sans doute tous participé, contre la loi travail ou contre la première réforme des retraites. Une caractéristique aussi un peu particulière qui est celle de son organisation extrêmement souple, pas d'hiérarchie nationale, pas d'organisation même, ni de représentation nationale, mais une organisation locale très ancrée dans la réalité des territoires, et en particulier des territoires ruraux. Une libre expression absolument totale, qui a quelquefois a mené à des dérives qui ont été tout à fait exploitées d'ailleurs par, je dirais, une partie de la gauche bien pensante et par la droite. Une présence des femmes, qui n'est pas tout à fait exact à cette tribune, mais une présence des femmes sur les ronds-points qui était très très importante. Personnellement, plutôt, bien qu'étant parisienne, j'ai plutôt fréquenté les Gilets jaunes dans les ronds-points ruraux, dans ma province natale, et la présence des femmes sur les ronds-points était quelque chose de tout à fait remarquable. Et ce n'était pas une présence comme ça, c'était réellement un investissement du soir au matin, qui était absolument remarquable par rapport à ce que l'on rencontre dans les organisations traditionnelles de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier. Une souplesse dans ce mouvement aussi, parce qu'on pouvait y passer, s'en retirer, y revenir. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, par exemple, dans les occupations. Vous êtes sans doute tous plus ou moins des militants syndicaux. Vous savez tous ce que c'est que des occupations d'usines, d'ateliers, d'hôpitaux, etc. Là, c'était extrêmement souple. On y passait quand on avait le temps et on y apportait quelque chose, aussi bien sa pensée, son débat, que simplement de quoi manger pour les copains. Et il y avait une convivialité assez extraordinaire. Une caractéristique d'implantation aussi, parce qu'elle était nationale, diffuse partout, mais beaucoup, beaucoup rurale.
Et nos territoires qui se sentent souvent abandonnés se sont à cette occasion révoltés et mobilisés. Alors les causes et les revendications de ce mouvement. Bien sûr, c'est parti, on ne peut pas le nier, d'une augmentation, d'un refus de l'augmentation des carburants, et en particulier du diesel. Alors évidemment, pour les élites parisiennes un peu boboïsées, y compris celles de nos partis, ça a pu choquer. La plupart du temps, nous sommes des urbains et les déclarations d'intention écolo sont plus faciles pour nous que pour ces gens, pour lesquels simplement aller au boulot, aller à l'hôpital, emmener le gamin au lycée, eh ben, on le fait avec la bagnole qu'on a. Et même si la bagnole, c'est, elle marche au diesel et qu'elle est vieille et qu'elle pollue. Donc c'est évidemment peut-être une réflexion qu'on avait un peu zappée. Et très rapidement, les classes populaires ont formulé des revendications. Alors avec des mots, des expressions qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a pas l'habitude, parce que ces gens ne sont pas des militants encartés. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on a décanté ce qu'ils réclamaient, c'est simple, leurs revendications, elles concernaient quoi ? Elles concernaient les salaires et le pouvoir d'achat. Elle concernait la justice fiscale, les taxes, l'ISF. Elle concernait l'aménagement du territoire, en particulier les transports. Ils sont souvent très enclavés et ils demandent à être connectés à tous. Elle concernait évidemment les services de proximité, l'école, la poste, l'hôpital, la maternité, etc. Et ça a d'ailleurs expliqué, en tout cas pour ma part je l'ai beaucoup constaté par chez moi, les liens très forts qu'ils ont pu établir avec les collectifs citoyens qui se forment pour défendre ces services publics. Il y avait très souvent une connexion, une interaction très forte entre les gilets jaunes et ces collectifs. Et puis il y a une revendication particulière qui, moi, m'a beaucoup interpellée, beaucoup touchée, à laquelle je crois qu'il faut que nous soyons capables de répondre, la gauche, j'entends. C'est cette revendication de reconnaissance et de dignité, qui s'est exprimée entre autres d'ailleurs par la revendication du référendum d'initiative citoyenne, je crois, ou populaire. Citoyenne. Alors, tout ça a évidemment touché très fort les Français et a expliqué l'extraordinaire soutien populaire qui est très, très, très vite monté et dont le mouvement a bénéficié, au rebours des médias qui ont passé leur temps à taper dessus et au rebours aussi des organisations de gauche qui ont mis beaucoup, syndicales ou politiques, qui ont mis beaucoup de temps à comprendre et à rejoindre ce mouvement. Alors que la gauche, si elle avait regardé ses revendications de près, au lieu de peut-être un petit peu trop écouter le champ des médias, elle aurait dû s'y voir comme dans un miroir. Voilà donc un petit tour assez rapide de ce mouvement que, évidemment, chacun des invités autour de la table pourra analyser comme il l'entend et apporter son éclaircissement. Comme je vous l'avais dit, j'enchaîne tout de suite en posant quelques questions à nos invités, les uns après les autres. Nous allons faire un petit tour de table et ensuite, vous aurez la parole, parce que le but est évidemment d'avoir un échange. Si ce n'est un débat, c'est un peu court, mais au moins un échange. Je commence par toi, Gilles. On va commencer par Gérard, parce que... Je sais pas, d'abord, c'est le prof, Gérard. Gérard, tu te considères comme un prof, toi. Et puis, en plus, c'est une histoire populaire. Le thème est une histoire populaire de, je sais plus, de 1788 à nos jours. Donc, j'ai l'impression qu'il faut qu'on ait le tableau qui nous brosse un historique avant que nous, on vienne rigoler autour, quoi. Voilà. Eh bien, allons-y. Gérard, vous en êtes Oh, pas spécialement, non. On va faire comme si. Parce que le mot prof peut, vous voyez, souvent fonctionner comme un stigmate, y compris dans les milieux populaires. Donc voilà, mais en même temps, il faut assumer aussi sa fonction. Hein. Effectivement, donc pour moi, le moment des Gilets jaunes, disons, il venait après un gros effort que j'avais fait, qui m'avait pris plusieurs années pour publier l'histoire populaire de la France, qui est sortie chez Agone. Et donc, ce livre est sorti donc, en septembre.
Et le mouvement des Gilets jaunes, donc, comme vous l'avez dit, c'est vraiment démarré en novembre. Donc, j'ai, comment dirais-je, comme je tiens un blog et que j'avais en tête toute une série de choses qui, les mouvements des Gilets jaunes me rappelaient des expériences du mouvement ouvrier. Puis en même temps, je voyais des différences, etc. Donc, j'ai pu réagir assez vite. Et j'ai bénéficié, vous parliez des médias, c'est-à-dire, et ça c'est très intéressant parce qu'on le retrouve pratiquement dans toutes les grandes luttes populaires de l'histoire de France, la surprise des élites. Toutes les luttes populaires, vous prenez 1848, même la Commune de Paris, voire la Révolution française, ils sont toujours surpris. Hein. Donc ça n'a pas manqué, ils ont été surpris. Et là moi j'en ai bénéficié, enfin en tout cas mon bouquin, parce que l'effet de surprise a fait comme j'avais une semaine d'avance, j'allais dire, sur la corporation... Ils me sont tombés dessus, ça a très bien, ça a permis de faire connaître le livre. Mais en même temps, il y a une sorte de tsunami médiatique où ils vous posent toujours les mêmes questions, etc. Enfin, c'est terrible. Mais ça a été pour moi utile, justement, pour, y compris à l'intérieur de ma corporation, on y reviendra peut-être, présenter une perspective compréhensive du mouvement, parce que je pense que c'est notre métier. On n'est pas là pour être les porte-parole de quel ou tel mouvement, mais pour comprendre les raisons d'agir, comme disait Pierre Bourdieu, des gens. Donc c'était ça, moi, qui m'intéressait. Donc c'est ça que j'ai essayé de faire, donc en montrant un petit peu les liens, le rapport avec ce qui avait pu être fait historiquement. Et du coup, je crois que quand un mouvement social, on lui donne une légitimité historique, c'est très important, parce que ça l'inscrit aussi dans l'histoire. Et donc, on le voit de manière différente que ça pouvait être fait immédiatement dans les médias. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, puisqu'on reviendra sur tout ça, mais ça a été le point de départ pour moi de mon intervention sur le sujet. Deux mots peut-être quand même sur l'originalité de ce mouvement. Oui, alors l'originalité, moi, quand j'ai repris ça, parce qu'après, donc, j'ai fait des entretiens avec le journal Le Monde, avec Nicolas Truong. Le premier est paru, il a eu un grand impact parce qu'au moment, les gens se demandaient. Puis après, j'en ai fait d'autres qu'ils n'ont pas pu publier. C'est pour ça que j'ai fait ce petit bouquin qui s'appelle « Gilets jaunes à la lumière de l'histoire ». Mais ce qui m'avait frappé quand même, si vous voulez, moi, il me semblait, mais ça, on peut en discuter, mais qu'au tout début du mouvement, c'était un mouvement qui était original. Moi, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, par rapport à l'histoire des luttes sociales, c'est que c'était un mouvement qui, finalement, n'était pas très massif du point de vue des gens qui défilaient. Je crois que ça a été 300 000 au maximum, un truc comme ça. Mais il a éclaté en même temps dans une multitude d'endroits, sans parti, sans organisation explicite qui coordonne l'action. Ça, c'était vraiment nouveau par rapport à ce qui a pu se passer autrefois dans l'histoire du mouvement ouvrier. Alors, c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, quelles sont les instances coordinatrices? Il en faut toujours une, ou alors c'est l'opération du Saint-Esprit. Mais voilà. Et donc, c'est là que j'ai, en analysant ça, je me suis dit, il y a deux éléments de départ. C'était ce qu'on appelait les réseaux sociaux. Ça a joué un rôle. Mais aussi, et ça, faut pas l'oublier, les chaînes d'infos en continu. Au tout début du mouvement, et je vous renvoie, vous pouvez encore voir la vidéo sur Google, vous avez un journaliste de droite qui se revendique lui-même comme de droite, qui s'appelle Éric Brunet, qui a mis le gilet jaune la veille du 17 novembre et qui dit « Allez tous manifester, demain il y en a marre, on paye trop de taxes », enfin vous voyez le discours libéral classique. Et puis le même, vous le reprenez une semaine après, il dit « Non, c'est trop violent », etc. Et c'est ça qui est génial dans un mouvement social. C'est que même ceux qui veulent, vous voyez, le manipuler, le téléguider, etc., eh bien, voilà, il y a la richesse du mouvement, ce que vous montrez bien parfaitement aussi dans votre film, etc., l'expression multiple, enfin, qui a fait que tous ces gens-là, tous les réacs qui avaient espéré, parce qu'au départ, il y avait quelques personnes qui pouvaient apparaître comme étant de droite ou petits patrons, etc., eh bien, se sont vite rétractés et ils ont, après, martelé sur la question de la violence. Donc, c'était ça aussi, cette originalité du mouvement, et qui doit nous interpeller, parce que je pense que c'est effectivement un tournant dans l'histoire des luttes sociales, cette capacité aussi des classes populaires aujourd'hui à utiliser peut-être des nouveaux moyens technologiques, le rapport que ça peut entretenir avec les représentations. Alors, le discrédit des mouvements sociaux, c'est pas nouveau, évidemment, hein, c'est classique. Toutes les luttes sociales sont toujours discréditées par les élites, ça c'est une constante. Donc, et en même temps, effectivement, eh bien, un rapport difficile, je dirais, avec... Je vois les gens dans mon milieu, dans le milieu universitaire,
on n'a pas été très nombreux à avoir ce mouvement d'un œil favorable au départ, j'entends, hein, parce que effectivement, il y a un problème là qui s'est créé, il y a une rupture qui s'est créée. Faudrait l'analyser, c'est compliqué. Hein, j'ose pas trop entrer tout de suite là-dedans dans le débat, mais moi j'ai vu des collègues, des gens dont je suis proche, qui sont très engagés, par exemple, dans les luttes contre les discriminations. Et qui ont été très sensibles à l'argument de dire ils sont racistes, ils sont antisémites, ils sont homophobes, etc. Alors même que c'était des voix totalement marginales, mais qui étaient mises en avant, comme le font toujours les médias. La violence, on voyait les... Alors là, c'était pour discréditer le mouvement. Ben non, ils n'ont pas eu ce type de réflexe qu'ils ont d'habitude. Et là, c'est quand même un des problèmes qui se posent à la société française aujourd'hui. C'est quand même, au sein des classes populaires, il y a des... voilà, des difficultés à réunir des gens qui devraient militer ensemble, devraient être engagés dans le même mouvement et qui peuvent avoir des réticences. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est peut-être le, au niveau autocritique, je dirais, c'est peut-être la question principale que je me poserais par rapport à ce mouvement. En même temps, puis je m'arrêterai là pour le moment, il y a un truc très positif qui s'est passé. Et souvent, les trucs positifs, on ne vous en parle pas dans les médias. Donc c'est pour ça qu'on est... C'est que... Ce mouvement des Gilets jaunes, étant donné qu'ils avaient quand même une logique, on ne veut pas de représentants, hein, ça a été le leitmotiv, etc. Parce qu'évidemment, pour eux, la droite, la gauche, quand ils voient le résultat, ils se disent que ça serait la même chose. Mais ça a concerné aussi les intellectuels. Donc, dans le milieu, disons, intellectuel, au sens, disons, universitaire du terme, on n'a pas eu un Sartre haranguant les prolos voilà. On n'a pas eu un Bourdieu qui en 95 intervenait, vous savez, pour les cheminots, etc. Voilà, parce qu'il y a eu un sentiment de réserve qu'on a tous éprouvé en disant, bon, ben, il vaut mieux se tenir un petit peu en réserve. Mais en même temps, il y a un travail qui se fait aujourd'hui encore. C'est-à-dire, un certain nombre de collègues, de chercheurs, travaillent au jour le jour aujourd'hui avec des groupes de Gilets jaunes pour un travail de fond, pour un travail qui devrait être le nôtre, c'est-à-dire donner des outils aux militants, pour les aider dans leur lutte, pas parler à leur place, mais leur donner des outils dans leur lutte. Et ça, ça se fait. Il y a un réseau, il y a une liste de diffusion, il y a un travail qui se fait. Et c'est ça, moi, qui me rend peut-être le plus optimiste. Ça ne veut pas déboucher du jour au lendemain, mais il y a un mouvement comme ça qui est en train de se faire et qui, je crois, apportera des transformations importantes, y compris dans les relations entre les classes populaires et puis les milieux, disons, intellectuels. Merci Gérard. On reviendra peut-être dans un deuxième temps sur les possibilités d'avenir de ce mouvement et peut-être de concrétisation structurelle. Je repasse à Gilles, si François le permet. pour lui dire, d'abord, tu viens de commettre ce formidable film qui est « Je veux du soleil ». Film sur le mouvement populaire des Gilets jaunes que sans doute beaucoup d'entre vous ont vu. C'est peut-être pas le premier. Ces films, tous, nous ont portés, nous ont emmenés, je dirais, soit en nous faisant rire, soit en nous faisant pleurer, que ce soit depuis 2006, je crois, avec le film Ma mondialisation. Et puis après, plus tard, quand le fatalisme s'était un peu installé dans la pensée de gauche, rappelé par les jours heureux ou par la sociale, que le peuple, quand il se met en mouvement, peut construire un avenir. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, Je veux du soleil fait le lien entre ces deux goûts. Donc, pour faire ce livre, tu as rencontré des Gilets jaunes. Tu t'es immergé, je dirais, dans ce milieu. Alors, ces incultes, ces violents, ces racistes, comment tu les as ressentis? Qui sont-ils, en fait, alors qu'on les a tellement caricaturés? Que veulent-ils? Et que rejettent-ils aussi? Bon, déjà, quand tu dis « tu », on a tout fait tous les deux. Donc, on a rencontré... Ah ouais, t'en as pour lui. Bon. Non, enfin, qui sont-ils? Je ne vais pas avoir le monopole du savoir sur qui sont les Gilets jaunes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a touché dès le début, et je pense que vous avez, pour ceux qui sont allés sur les ronds-points, ont vécu les mêmes choses, c'est que tout d'un coup, on a vu des gens qu'on n'avait jamais vus auparavant et qui relevaient la tête. Et moi, je retiens ça. Si on part tous les deux pour faire ce film, c'est parce qu'on a ressenti aussi chacun
cette impression de voir des gens nouveaux et des gens qui tout d'un coup étaient fiers de se révolter, de relever la tête. Et ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Et c'est ce qui, moi, me donne envie de faire le film, parce que finalement, vous voyez bien, moi j'habite en Haute-Savoie. Donc quand on va aux manifestations, c'est à Annecy, pour ceux qui connaissent Annecy. Quand ce sont des périodes d'étiage, au niveau des manifestations, on se connaît tous. Et là, tout d'un coup, on voyait sur les ronds-points des nouvelles têtes et des gens qui étaient heureux. Et moi, je garde cette image en tête. Et donc, du coup, c'est ce qui donne envie en se disant, tiens, on attendait ça depuis un moment. Il y a des gens, les pauvres, d'habitude, on se dit, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ne se révoltent pas? Pourquoi ils ne sont pas là? Et tout. Et donc, du coup, moi, tout naturellement, je me dis, il faut aller voir ce qui se passe. Et parallèlement à ça, effectivement, j'entends des discours de la part de représentants politiques qui sont dans notre camp, qui disent, non, jamais, les fachos, les trucs comme ça. Là, tu te dis, merde, la boulette, quoi. Et donc, on perd du temps avec ça. Donc, du coup, nous, on part assez spontanément à la rencontre de ces gens en se disant, tiens, on va aller voir ce qui se raconte. Et effectivement, tu parlais du départ du mouvement qui était sur la question de la taxe sur le gasoil. Mais nous, quand on part tout début décembre, donc 15 jours après, on n'a jamais entendu parler de la taxe sur le gasoil. Les revendications étaient dans la discussion étaient déjà passées sur la question de l'impôt sur la fortune, la répartition des richesses, la cotisation sociale. Il y avait à chaque fois qu'on lisait les revendications, il y avait un chapitre sur l'environnement. Et finalement, on se retrouve avec un truc où tu t'y retrouves tout à fait, quoi. Alors, je dis pas que tout est formidable, tout est génial, mais en même temps, tu te rends compte que, enfin, moi, ce qui m'a fait du bien en allant tourner, je pense que c'est pareil pour François, c'est que finalement, tous ces gens qui n'avaient jamais rien dit, qui rejettent les syndicats, qui rejettent la politique, quand ils se mettent ensemble pour discuter, de quoi ils discutent, c'est de savoir comment vivre ensemble. Donc, ils font de la politique. Et vers quelle politique ils se tournent? Comme il y en a beaucoup qui sont quand même dans le besoin, finalement, ils se tournent vers une politique du partage, de l'organisation collective, de mettre des règles, de taxer les riches, de privilégier certains services et pas le laisser au privé. Enfin, et donc, du coup, c'était hyper rassurant. Et en plus, on tourne dans un esprit qui était quand même... On a toujours été bien accueillis, malgré la présence d'un député à côté de moi, qui aurait pu être un handicap. on est revenu, on était super content d'avoir vu ça, quoi, parce que naturellement les gens, quand ils se mettent ensemble, ils vont plutôt sur nos thèmes, et du coup avec beaucoup plus de regrets, de se dire merde, pourquoi la gauche parisienne n'a pas embrayé dès le début, et avec regret, quoi, parce que voilà, quand je dis gauche parisienne, c'est juste parce que moi j'ai la chance d'habiter dans un village où on pense pas tous la même chose, et je pense que si on avait habité sur Paris, peut-être François et moi, on n'aurait pas fait le film, parce qu'on aurait été enfermés dans nos chapelles c'est beaucoup plus communautaire au niveau politique, et donc du coup on aurait peut-être eu moins d'avis divergents. Quand on habite dans des villages paumés, des trucs comme ça, bah, les voisins, ils sont peut-être qu'ils votent Front National, mais est-ce que c'est du racisme, est-ce que c'est des fachos, c'est compliqué. Mais en tout cas, on côtoie des gens, et tout d'un coup, moi, j'ai vu des gens que, pour moi, jamais j'aurais imaginé qu'ils aillent manifester pour quoi que ce soit, et tout d'un coup, je les vois partir sur les ronds-points. Et donc, du coup, c'est là que tu dis, putain, mais là, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que sur Paris, ben, effectivement, moi, je vois bien mes copains qui pensent à peu près comme moi, qui vivent sur Paris. Au début, quand j'ai dit on va aller sur ces trucs-là, on était limite rouge-brun, et puis on allait voir... c'était flippant, quoi. Et du coup, ça fait vraiment poser des questions. Est-ce que c'est moi qui me plante? Est-ce qu'on est à côté de la plaque? Et je comprends le fait qu'on vive beaucoup plus en vase clos quand on est plus nombreux, et que du coup, on arrive à se retrouver dans des communautés politiques où on pense un peu... C'est pas un jugement de valeur, hein, mais... On est peut-être moins perméable à des visions de la société différentes, puis surtout à des gens qui ne sont pas politisés, quoi. Et là, c'était ça aussi. C'est bien de ce côté-là qu'il va falloir aller chercher les gens. On va pas trop essayer de rattraper les macronistes. Je crois que là, c'est foutu, quoi. Non. Merci, Gilles. On peut peut-être enchaîner avec toi, François. Écoute, si c'est un sketch, je ne joue plus. Ouais, tu es le seul député qui ne soit hors parti, mais qui a été élu avec l'ensemble, presque, de l'arc de la gauche. Je crois que c'est pas tout à fait un hasard.
Tu es aussi un des rares politiques qui était sur les ronds-points, enfin peut-être pas sur le rond-point, mais dès le 17 novembre. Hein, voilà, donc pour aller saluer les Gilets jaunes. Il faut dire, et là je rejoins complètement ce que tu viens de dire, Gilles, que tu es un élu du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que. La Picardie, attention, je tiens. Des Hauts-de-France. Non, non, ça n'existe pas, les Hauts-de-France. Je savais que je ferais un débat. C'est une fiction créée par Hollande et je vous assure que dès que nous sommes aux affaires, nous revenons à des choses sérieuses en matière de découpement des régions. Et nous demandons l'indépendance de la grande Picardie socialiste. Je savais que je ferais un tabac avec les Hauts-de-France. Donc, un député en tout cas d'une région où le chômage est important, la région... de Picardie, où le chômage est important. Tu as baigné donc dans cette France réelle, comme tu l'avais d'ailleurs montré dans cet excellent film également, qui était Merci Patron. Donc, tu les as rencontrés, ces Gilets jaunes. Tu as pu juger de respect, de service, respect, oui, de leur envie de respect, d'être respecté, de leur attachement au service public. Hein, dont on a encore peu parlé, mais qui est, moi, que j'ai ressenti personnellement comme étant extrêmement présent, comme leur envie de travailler, de vivre de leur travail, au moment où la délocalisation, d'ailleurs, tu as fait un très bon bouquin là-dessus, sur les délocalisations, ou plus exactement, sur une forme de protectionnisme pour empêcher ces délocalisations. Alors, dans la suite, je dirais, de ce qu'a dit Gilles, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces rencontres avec les Gilets jaunes et peut-être aussi sur comment concrétiser ce mouvement, comment concrétiser ce qu'ils ont apporté collectivement au mouvement social. Bon, sur la suite, moi, je crois qu'elle est en rouge, vert, jaune. Elle n'est pas strictement en jaune. Je pense que si chacun reste dans son couloir, on est cuit. Mais pour revenir sur le passé... Moi, j'étais sur les ronds-points dès le 17 novembre. J'avais dit, j'irai voir. En tout cas, ce que j'ai vu d'emblée, je te remercie pour l'honnêteté de ta présentation au départ, c'est-à-dire ce que je m'attendais à voir, c'est-à-dire un snobisme de la gauche qui se retire sur son mont Aventin et qui sait mieux que le peuple ce que veut le peuple et ce que pense le peuple. Et donc, d'avance, je voyais circuler, mais même avant l'intervention de Martinez, sur les réseaux sociaux et y compris provenant d'un certain nombre de copains, des trucs sur « je n'irai pas, manif de facho » et ainsi de suite. Et bien, moi, simplement, j'ai dit « j'irai voir ». J'irai voir ce qui se raconte le 17 novembre. Je ne me fais pas d'illusions. C'est le bazar dans la France. C'est le bazar dans les têtes de la France. Mais si vous partez pas de ce point de départ-là et que vous attendez que le truc il soit bien clair, bien net, et que ça soit service public, justice sociale et machin et tout ça, vous faites jamais rien. Moi, je pense que le 14 juillet 1789, on discutait avec Gérard Noiriel, mais je pense que le 14 juillet 1789, si on allait demander aux gens ce qu'ils pensent, c'était un peu le bazar. Et il y avait peut-être des réacs au milieu du truc ou des trucs un peu bizarres. Voilà, oui, bien sûr, la prise à Bastille, c'est vrai que je rappelle toujours que la République a été fondée sur un événement violent. En fait, tous les jours, toutes les semaines, le 14 juillet, un événement violent. Mais donc, d'abord, allez voir. Et tu as dit hors parti. Je vais le dire franchement, il y a des moments où j'ai été fier d'être à la France insoumise. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, partant d'un autre point, c'est-à-dire d'un point plus théorique sur la révolution citoyenne et des choses comme ça, a été très vite... convaincu qu'il fallait en être le 17. Il faut le dire. Quand il y a des bons réflexes, il faut le dire. Parce que c'est ce qui nous a permis. Je le dis, moi, à ce moment-là, je peux avoir des doutes sur l'appartenance à un groupe parce que j'ai ma trajectoire à moi qui fait que l'appartenance à un groupe ne va pas de soi. Mais d'appartenir au groupe parlementaire La France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon nous a permis, évidemment, de peser sur l'orientation et de peser sur le fait que La France insoumise se rattache rapidement à ce mouvement. En tout cas, ne s'en dissocie pas. Et je dis l'importance de ce réflexe à ce moment-là, parce qu'il pouvait y avoir une coupure définitive entre la gauche et le peuple. Et je pense que c'est pas qu'on a rabiboché tout ça, mais le pire a été évité. Ça ne veut pas dire que c'est génial, mais le pire a été évité. Le pire, ça aurait été d'avoir le même réflexe que... Et je suis syndiqué à la CGT, mais ça aurait été d'avoir le même réflexe que Philippe Martinez. Et vous tuez la gauche. C'est tout. On n'en parle plus, c'est fini dans le peuple. Alors, que dire à partir de ça ? D'abord, sur les revendications. Elles ne sont pas claires.
elle se clarifie au fur et à mesure des semaines. Mais il faut le dire avec honnêteté si on analyse le mouvement. Elle se clarifie aussi au fur et à mesure des semaines parce que peut-être que ce ne sont plus les mêmes qui sont dans le mouvement. Et ça, il faut le dire. La présence massive, le premier jour, le 17 novembre, si on avait eu des remontées du terrain, enfin moi j'ai jamais vu ça dans mon coin, j'ai un rond-point à flic secours, deux ronds-points à flic secours, j'en ai deux à Abbeville, j'en ai partout autour d'Amiens et ainsi de suite, je pense que ce jour-là on est peut-être à 1 million de personnes dans la rue. J'en sais rien, enfin à vue d'œil, mais c'était une présence tout à fait massive et impressionnante. Et donc le mouvement social n'est pas le même au départ et à l'arrivée. Il n'est pas le même en termes de masse, et il n'est pas le même parce que les premiers qui ont dit « nous ne voulons pas en être » ont ensuite rejoint le mouvement et ont porté le gilet jaune. Mais voilà, c'est ça aussi qui se passe, si on se le dit en toute honnêteté. Moi, je vois dans les revendications et dans l'avancée du mouvement comme des couches géologiques successives. Ça part du gasoil, mais dès le 17 novembre, on n'est plus sur le gasoil. Dès le 17 novembre, on est sur le social. On est sur les allocations pour les personnes handicapées, on est sur les contrats emploi solidarité, on est sur tout ça. Ensuite, vient, mais c'est presque là déjà, une revendication fiscale. Et moi, je pèse pour dire, et ce qui va se traduire ensuite, les gens ne veulent pas moins d'impôts, ils veulent un impôt plus juste. Moi, j'ai en tête cette donnée que je vous rappelle, mais en 1985, l'impôt sur les sociétés, c'est 50% des bénéfices. Aujourd'hui, on est passé à 23% taux affiché. Pour les multinationales, on est à 9%. Donc, ce qui n'est plus pris de ce côté-là est pris d'un autre côté. Il est pris du côté de la TVA et il est pris du côté des impôts locaux. C'est-à-dire un glissement vers des impôts qui sont beaucoup plus injustes. Et ça, les gens le sentent. Bon, ensuite, je pense qu'il y a des revendications, on va dire, face à l'injustice. C'est les déclarations de Macron qui mettent le feu aux poudres. De dire, mais on ne peut pas nous traiter comme ça. Il y a de l'orgueil. Il y a une réaction d'orgueil. On ne peut pas nous dire à traverser la rue. Bah vas-y, toi, vas-y, traverse là la rue. Et l'orgueil, la politique se fait sans doute sur des bases matérialistes, mais je crois qu'elle se fait aussi sur des bases spirituelles. Et l'orgueil fait partie de réflexes populaires de « on ne va pas se laisser marcher dessus ». Je pense qu'ensuite, il y a une revendication évidemment démocratique. Et j'en viens à penser maintenant qu'au fond, il y a une revendication métaphysique. Chez les Gilets jaunes. Bon, alors, je vois Gérard qui fait des grands trucs parce que... Il attend des explications. Je pense que foncièrement, aujourd'hui, les gens se posent des questions sur le sens de notre société, sur le sens de l'existence dans notre société, sur le sens du travail, sur est-ce que c'est la croissance parce qu'on va y arriver, où est le bonheur. Je pense que c'est quelque chose qui est là, en germination... dans le monde, mais ça l'est chez les militants, mais ceux qui sont sortis, Régis Debray qui parlait des exigeants, des gens qui sont les plus exigeants sur le plan moral, mais ceux qui sont sortis aussi le 17 novembre, c'était parce qu'ils avaient une exigence en eux d'un autre chose. Voilà, c'est ça que j'entends par métaphysique. Je pense qu'il se pose la question quand on se rassemble sur des cabanes pendant des semaines et qu'on reconstruit le petit lien qui n'existe plus au bistrot et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose d'autre que simplement voir augmenter son allocation ou son salaire. Il y a ça, il y a une base matérielle, mais je crois vraiment qu'en dessous, il y a une base spirituelle. Je m'arrête sur un point qui est, pour moi... Les Gilets jaunes ont malheureusement été la traduction à nouveau d'un divorce. C'est-à-dire, je pense que... Excusez-moi, j'attends deux secondes. Mais je pense qu'on peut parvenir au pouvoir dans ce pays seulement en résolvant un double divorce qu'on a face à nous. Quel est ce double divorce? Je peux faire un historique. J'aimerais bien qu'un jour Gérard Noiriel me le valide, donc je vais le faire rapidement. Mais bon, non, je ne vais pas le faire. Mais je crois que les grands moments dans la gauche française, les grands moments de progrès, ce sont les moments où on parvient à unir deux cœurs sociologiques. On va dire les profs et les prolos, en clair. C'est-à-dire les petits intellectuels et les classes populaires. Et pour moi, le fait marquant des 30 dernières années, c'est un divorce économique, un divorce social et de facto un divorce politique entre les classes populaires et
les petits intellectuels, je ne sais pas comment vous appelez ça, avec la classe cultivée, ainsi de suite, qui a fait des études. Bon, voilà. Et les Gilets jaunes ont malheureusement été un nouveau temps de cette traduction. J'espérais une résorption de cette fracture. Parce que 2005 avait marqué cette fracture. 2005, c'est 80% des ouvriers qui votent pour le non. C'est 71% des employés. C'est 67% des chômeurs. Mais c'est en revanche 56% des profs, des cadres, pardon, et 54% des profs qui votent pour le oui. Donc il y a là, et quand on regarde les sondages sur les Gilets jaunes, on a à nouveau affaire à cette fracture-là sur qui soutient entre les classes populaires donc là il y a un premier divorce, et le deuxième divorce, il s'est vu, c'est que le mouvement a été très vif dans les campagnes, les quartiers n'ont pas embrayé, et donc on a un problème interne pour moi aux classes populaires, qui est un divorce entre les classes populaires des campagnes et les classes populaires des quartiers. Et je pense qu'on ne parviendra à avoir un bloc historique à même de prendre le pouvoir que si on pour faire face à l'oligarchie, quoi, en bref, que si jamais on arrive à résoudre ces divorces internes à notre camp. Voilà, je vous remercie. Merci. Eh bien, comme promis, vous avez... Pardon ? Oh, je t'ai oublié, Gérard. Mais c'est normal, parce que... Moi, j'ai fait moins de ronds-points que François et Gilles. J'en ai fait 20-25. 20-25. Je suis allé à Montpellier, je suis allé à Avignon, à Romans, du côté de Metz, du côté de Docelles, dans les Vosges. Je suis allé à Chartres, Dreux, à Eylancourt, à Lorient et quelques autres que j'oublie en ce moment. Mes flashs les plus importants, c'est à Avignon, une femme d'une trentaine d'années, aide-soignante, qui me dit « Moi, j'avais jamais fait de politique ni de syndicalisme. J'ai plus appris en 3 semaines qu'en 30 ans de ma vie. » Et tous ces gens ont évolué à une vitesse bousculée par tous les événements de façon étonnante, mais normale. Ça se passait déjà comme ça en mai 68. Parce qu'en mai 68, les gens qui rentraient dans le mouvement, 3 semaines après, ils faisaient de la politique comme s'ils en avaient fait depuis des années et des années. J'ai vu du côté de Reims, à côté de Châlons, un gars, il avait plus de bites que moi, il avait 55 berges, il était plus jeune, il travaillait dans la luzerne. Et la luzerne à Châlons, pour ceux qui connaissent, ça sent dans toute la ville quand il y a une campagne de luzerne. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai jamais fait de politique. C'était le leitmotiv. Et il dit, maintenant, j'en fais jusqu'à 11h du soir. Je réponds à tous les mails. Alors, je me suis engueulé avec ma femme. Alors, je lui ai dit, t'as qu'à en faire aussi. Eh ben, l'on fait aussi. Donc, tous les soirs, on répond jusqu'à 11h du soir. Et le gars n'avait été pareil, ni syndiqué, ni dans un parti, ni rien. Une fois, il me dit, j'ai voté pour monsieur Berthiaud. C'était le gars qui était à la mairie de Châlons. C'était mon pote, il était à côté de moi, mais il ne le connaissait pas. C'est la seule fois de ma vie où j'ai voté. Ensuite, j'ai vu, c'était à Lorient. Je ne l'ai. C'était la dame qui m'accueille. Elle m'avait fait venir, elle m'a fait faire 14h jusqu'à 23h. J'avais 50 sur le rond-point toute l'après-midi, il y avait 150 environ vers 17h, puis après c'était en ville, alors il y avait 250. Elle est venue me chercher à la gare parce qu'elle me dit je veux parler plus longtemps avec vous. Moi, même chose, j'ai jamais fait de politique. Elle avait 61 ans, elle était assistante sociale, elme était catholique, elle me l'a dit 10 fois, et elle était l'aînée d'une famille de 11 enfants. Je lui ai dit, mais elle me dit, on va toutes les semaines à Paris. Je dis, quoi ? De Lorient ? Elle me dit, on loue un car, on est 25. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on était au Fouquet's. Je dis, vous étiez au Fouquet's ? Alors, je lui dis, mais comment vous faites ? Vous respirez ? Ah bah oui, on respire, mais vous avez des ennuis. Ah non, parce qu'on se tient. Alors, on se lâche pas. Donc, on est 25 au départ, on est 25 à l'arrivée. On résiste à tout, on se lâche pas. Alors, c'est pas toujours les mêmes, mais on continue, on y retournera. Et après, c'était Eylancourt. Eylancourt, c'est un meeting avec 500 personnes. Alors, c'était un stade. Alors, de chaque côté, il y en avait 250. Et c'est pas facile de parler à un stade vide avec 250. On a commencé, il y avait Lucilia. Voilà. Et elle était là. Puis ensuite, après, les questions. Les questions, c'était quid de la pension de réversion ? Qu'est-ce que c'est un délégué du personnel ? Pourquoi on n'a pas ce droit-là dans mon usine ? Pourquoi celui-ci, il a eu là ? Ça a duré de 20h à minuit et demi. Minuit, il n'y a pas une personne. Voilà. Dans les meetings, quand vous faites un meeting avec 500 personnes pendant 4 heures, les gens s'en vont. Non, la personne n'est partie. Tout le monde voulait apprendre pendant l'ensemble de la réunion. Puis après, j'ai dû faire 9 fois la projection de Gilles Perret et de François Ruffin.
J'ai vu des gens en larmes, j'ai vu des gens applaudir, j'ai vu des gens debout, parce que c'était leur vie quoi, qui passait là. Moi, j'en ai tiré une conclusion, c'est qu'en fait, j'étais gilet jaune depuis que j'étais tout petit. Je ne le savais pas jusque-là. Mon père aussi devait être gilet jaune, il avait son bleu de travail, il n'avait pas de ceinture, il mettait sa ficelle. Mais je savais que c'était nous. Et je savais pourquoi ils se mettaient tous en mouvement de cette façon-là. Parce que dans les années précédentes, tous les mouvements syndicaux, il ne faut pas jeter la pierre aux organisations syndicales. Il faut jeter la pierre au fait qu'on n'a pas créé le rapport de force suffisant à la fois pour bousculer Hollande et renverser les lois El Khomri. Si on l'avait fait, beaucoup de choses auraient changé. Mais comme on ne gagnait pas, ces gens se sont dit « faut qu'on fasse quelque chose. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera plus. » Et d'un certain point de vue, c'est un coup de pied au derrière de ceux qui n'ont pas gagné avant. Mais en même temps, c'est un espoir pour nous absolument fantastique que le bas, alors je ne dis pas dire le bas, la partie la plus exploitée du salariat se mette en mouvement. Alors la partie au supérieur, elle n'a pas bougé. La partie intermédiaire, elle a eu des sympathies. Et la question est comment la jonction, puisque tu parlais de ça, Marinette, peut se faire entre tout ça. Mais moi, quand c'était le 23 novembre, j'ai dit à mes amis, j'ai dit c'est une situation pré-révolutionnaire. Alors ils m'ont engueulé, ils m'ont dit tu dis ça tout le temps. Je dis oui parce que je l'espère tout le temps. Et que face à Macron, c'est ce genre de choses qu'il faut avoir. Parce que si on n'a pas ce genre de choses généralisées, on ne gagne pas face à Macron. Et si on n'a pas ce genre de choses, on ne pousse pas non plus à l'unité de la gauche. Parce qu'elle ne se fera pas sans qu'il y ait une pression très forte du mouvement social. Et donc on avait là, tout le début, on l'a encore. Moi je dis que quand Macron dit cet été, c'est pas fini, et il est maître en la matière. Si Macron lui-même dit c'est pas fini, c'est faut l'écouter. C'est que ça va, c'est qu'il y a des racines pour que ça continue. Et les racines pour que ça continue, elles ont été dans trois réunions dont on parle pas assez. La première, c'est celle de c'était Commercy. La deuxième, celle de Saint-Nazaire. Et la troisième, celle de Monceau-les-Mines. Et il y aura la quatrième à Montpellier là à bientôt. Hein? Pas sûr. Bon. Mais enfin bon. Moi, je sais que j'ai lu l'article dans Le Monde parce que je ne pouvais pas être à Monceau-les-Mines. Et j'ai lu le texte qu'ils ont adopté. Mais enfin, si ces gens-là étaient comme l'aide-soignante du début à Avignon, ce texte est anticapitaliste du bout jusqu'à l'autre. Il fait un programme qui pourrait être celui de la gauche unie. Il touche à toutes les revendications sur la réduction du temps de travail, sur les retraites, sur la répartition des richesses, sur la réforme fiscale, sur l'ISF, à peu près tout. Il parle des hôpitaux, il parle de tout ce texte. Donc quelque part, il y a une maturation où c'est la partie la plus exploitée du salariat, c'est rare dans l'histoire, qui prend le devant. Alors, c'est pas nouveau ça, je sais ça, parce que si vous analysez, on pourrait jamais le faire, puis c'était une autre société. Mais ceux qui ont fait tomber le tsar en 17, quand ils sont sortis du quartier de Viborg, qu'ils ont traversé la Neva qui était gelée, ils ont pu le faire parce que le fleuve était gelé, parce que sur les ponts, ils se faisaient tirer. Mais ces gens-là... ils étaient tous gilets jaunes. Tu avais une société 90% analphabète et 90% antisémite à l'époque. Il n'y a jamais de révolution pure. Les gens viennent avec leur motivation et apprennent en cours de route. Et quand ils apprennent les uns les autres, ceux qui ont peur, ils n'ont pas de raison. Enfin, nous, on n'a aucune raison d'avoir peur parce qu'on doit avoir confiance dans notre propre classe sociale. Et c'est quand notre propre classe sociale se met en mouvement, le résultat, il ne peut être que bon pour nous. Et évidemment, il faut être avec elle, il ne faut pas lui dire dès le premier jour, vous êtes des fachos, etc. Ça fut une erreur grave, je partage ça. Mais ça a quand même été rattrapé un peu après. Après, maintenant, on parle effectivement du mélange des couleurs. Je voudrais juste dire, moi, cet été, par le hasard, il est là, l'éditeur, mais ils m'ont fait éditer, faire une préface à un livre sur la Révolution française, qui est de Pierre Kropotkin. Alors je l'avais lu il y a 40 ans, j'avais oublié, mais ce livre est fantastique. Ce n'est pas un livre sur le tiers-état, c'est un livre sur le quart-état. Et il explique comment, pendant toute la Révolution française, les conventionnels inclus étaient poussés. Il décrit les sectionnaires de Paris. Alors il le fait d'après les archives de Londres, parce que Kropotkin était à Londres, et les Anglais avaient piqué toutes les archives à Napoléon en 1815. Mais à partir de là, il donne des éléments sur la poussée de la base et la façon dont elle s'est opérée. Mais ceux de 1788 étaient des gilets jaunes. Et ce mouvement-là était quelque chose qui parcourt absolument... Moi, j'ai tellement lu avec... contentement ton livre, on le voit courir, et que nous avons donc là quelque chose d'énorme pour nous autres, et à condition qu'on soit à la hauteur. Parce que la hauteur, c'est plus la question des groupes, François, c'est quand même la question de l'unité de la gauche.
Je pense qu'aujourd'hui, les partis de gauche qui ne sont pas pour l'unité sont criminels quelque part. Parce que s'il n'y a pas une réponse qui soit un enjeu, là, on a Macron, si on ne bat pas Macron, on aura Le Pen. Et la course de vitesse est engagée. Macron amène Le Pen. Et s'il n'y a pas une issue en face, tout ça peut être parfaitement gaspillé. Et pour que ça ne soit pas gaspillé, il faut l'unité de la gauche. Il faut prendre les moyens pour. C'est une question vitale. Il faut se mettre autour d'une table. Il faut faire un comité de liaison de toutes les parties de gauche. Il faut obliger les plus réticents à y venir, avoir l'honnêteté de dire on va travailler ensemble et pas croire que l'un va passer par-dessus l'autre. Parce que sinon, on n'aura pas la réponse, ni pour les gilets jaunes, ni pour les couches supérieures du salariat, pour qu'elles se battent ensemble et qu'on gagne dans la course de vitesse qui est engagée contre Macron. Comme tu sais, Gérard, c'est pas moi qui vais m'élever contre un comité de liaison de la gauche, mais si on le fait simplement avec les partis tels qu'ils sont aujourd'hui, la question demeure de comment on intégrera ce formidable mouvement populaire des Gilets jaunes.